Hola amigos, il y a une question que beaucoup de personnes me posent en ce moment. Comment investir à l'étranger? Très souvent, la rentabilité de ces investissements à l'étranger peut être exceptionnelle, mais investir à distance fait peur. Et dans cette vidéo, je vais vous donner aujourd'hui mes deux points clés à respecter avant d'investir à l'étranger et je vous dévoilerai ensuite mes deux pépites d'investisseurs pour sécuriser votre opération. Le premier point clé, c'est de faire une étude de marché de qualité pour s'assurer la sécurité et la rentabilité du projet. C'est ce que moi j'appelle construire les bonnes fondations. Le deuxième point clé, c'est de se constituer un réseau, trouver des sociétés et des prestataires de confiance pour pouvoir déléguer la gestion des travaux, l'entretien, le checking et le check-out et les locataires. Maintenant, voilà mes deux pépites d'investisseurs pour créer ce réseau de confiance et déléguer en toute sécurité. Ma première pépite, avant d'acheter le bien, entrez en contact avec le notaire de la ville en lui proposant de vous partager son réseau d'agents immobiliers, d'architectes, d'artisans, gestionnaires, et qui ont l'habitude de travailler avec lui, et en contrepartie, le désigner comme votre notaire au moment de l'achat. Une deuxième astuce, toujours pensez à contacter le syndic qui gère l'immeuble où vous allez acheter votre bien immobilier. Eux aussi connaissent énormément de monde qui pourront vous apporter des solutions. Bien évidemment, il existe encore d'autres astuces qui feront l'objet des prochaines vidéos. Avec ces deux pépites, vous pouvez envisager d'investir à l'étranger en vous constituant un réseau de confiance. Voilà les amigos, mettez-moi des j'aime, partagez-moi la vidéo, posez-moi toutes vos questions et je prendrai le temps de vous répondre. Hasta la prochaine, amigos!